c'est une opération de police qui aurait mal tourné. Parce qu'un étudiant digne de Paris réclama l'application de l'article 7 de la Constitution qui permettait le multipartisme. Oufoué Boigny, qui avait sur le parti unique, voyait très mal cette revendication. On arrête l'étudiant en question, on le met en prison. De la prison, on le déporte dans sa région, on l'assigne à résidence dans sa propre région. Et un jour, le garçon se soulève et entraîne avec lui quelques badauds dans la forêt. C'est ainsi que l'armée ivoirienne envahit d'abord la région et ensuite l'armée française s'en met. Puis on débouche sur un massacre dont on n'a jamais eu un grand procès à Abidjan. Même Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, lui-même il est de la région Bété, mais il n'a pas organisé un procès sur les massacres de Gayo. D'accord. Voilà.